Alors pour blanchir ou colorer les inscriptions qui sont sur les chargeurs, blocs ou autres marques, on va juste utiliser une peinture acrylique. Donc à l'aide d'un pinceau, on va venir juste blanchir ce qui nous intéresse, en essayant de ne pas en mettre trop partout. Tout de suite essuyer le surplus ici avec une éponge. On continue avec les inscriptions. Je les suis à chaque fois. Je vais faire l'ensemble et je vous montrerai le résultat à la fin. À tout de suite. Donc à chaque fois que vous avez peint, que vous avez essuyé. Ça sèche assez vite, donc attention de bien l'essuyer tout de suite. Et à chaque fois, moi j'ai prévu une petite bassine avec un peu d'eau. On pense à bien rincer l'éponge. Les numéros terminés. Il ne reste plus qu'à faire l'inscription bloc avec le numéro du chargeur sur le bas. Donc le remplissage est terminé. Je suis assez content du résultat, c'est propre. Donc lorsque vous remplissez, attention de ne pas mettre trop de peinture. Et lorsque vous essuyez avec l'éponge, faites bien attention qu'elle ne soit pas trop humide. Sinon vous allez étaler la peinture et vous n'aurez pas un résultat correct.